Alors, la piscine du futur, pour moi, effectivement, ça a évolué. S'il y a 40 ans, 45 ans, on faisait des piscines 2,50 m de profondeur, aujourd'hui, c'est plus ça. Ça faisait 12 mètres par 6. Aujourd'hui, on fait encore, hein. Mais c'est surtout des piscines plus petites et moins profondes. Pour rejoindre un côté ludique, un peu plus simple. Alors, il y a le coût d'entretien aussi, hein, parce que derrière, il faut entretenir une piscine. Donc, pour moi, la définition de la piscine de demain, c'est je veux une piscine, mais qu'elle ne me crée pas de problème. Une piscine facile à vivre, parce que c'est du plaisir, et le plaisir, je ne veux pas que ça apporte des ennuis. Et donc, on travaille beaucoup là-dessus, et ça a toujours été l'ADN de Diffasur. Alors, les piscines plus petites, moins profondes et bien équipées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la piscine basique, c'est quoi? C'est une piscine qui contient de l'eau, donc avec une filtration. Et après, on peut mettre des produits. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent permettre allez, je ne vais pas dire d'oublier la piscine, que d'en profiter, mais quand même de simplifier la maintenance, c'est-à-dire que des appareils pour la stérilisation de l'eau. Alors, un élément dont je suis fier, c'est le DiffaClean. C'est une hydraulicité inversée, hein, c'est un système d'hydraulicité inversée par le fond, qui permet de faire un nettoyage permanent, brassage permanent de l'eau et un nettoyage permanent. On supprime les robots. Donc, c'est une installation fixe, définitive. Je suis beaucoup pour la vraie installation et la vraie construction, et non pas des accessoires ajoutés.